Mon bon Riyad, comment vas-tu? Oh ben ça va bien. Tu t'appelles Riyad Satouf. Ouais, ouais. Avec deux T et un F. Hmm? L'âge? 31 ans. Les mensurations? Un peu gros. Profession? Je fais des BD. Oui, c'est ça. Ah. Je trouve que tu es un merveilleux caricaturiste de la vie. Oui, c'est vrai. Mais écoute, ravi. Parce que bon, effectivement, tu es le réalisateur du film le plus comique de 2009, Les Beaux Gosses. Mais bon, avant ça, tu as... C'est vrai. C'est vrai, hein? Mais avant ça, tu as fait beaucoup de BD. Est-ce que tu as deux, trois conseils à donner à nos jeunes amis qui nous regardent? Comment passer une adolescence en beauté? Faut attendre, c'est comme la gastro. Faut attendre que ça passe. Bon, est-ce que tu as des conseils contre les boutons? Ou comment faire avec ces boutons? Comment vivre avec ces boutons? Non, je pense que c'est impossible de les accepter, c'est impossible de les enlever. Donc, faut attendre que ça passe. Moi, j'avais énormément de boutons lorsque j'étais adolescent et ma mère me faisait manger tous les soirs une T'as eu des boutons? La honte. Une gousse d'ail. Ouais. Ça devait pas aider pour les nanas le lendemain matin. Non, c'est ça. Donc en plus d'être moche, je vais plus être la gueule. Ouais, ça... As-tu un conseil à nos jeunes amis pour la masturbation? Ne pas hésiter à y aller à fond. Mm-hmm. Ça te permet de passer le temps. C'est vrai. Mais il faut faire durer la chose pour que ça passe le temps plus longtemps. Non, parce qu'on peut le faire plein de fois. Théoriquement, un être humain peut supporter 8 fois pour un garçon 8 fois de suite. À partir de 8 fois, on fait une crise cardiaque. Enfin, on risque une crise cardiaque. Un petit conseil pour comment emballer une jeune fille? Aïe, aïe, aïe. Faut être beau. Si on est moche, ça marche pas. C'est pas possible. On faut attendre. C'est comme la gastro. C'est comme pareil. La gastro. Non, seulement, faut être beau, quoi. Si on voit qu'on n'est pas très beau. Après, on peut s'épuiser en disant c'est la beauté intérieure qui va marcher, ou si on est moche, on va se diriger vers une fille plutôt moche comme nous, ça va peut-être marcher, et puis c'est que des légendes urbaines, ça marche jamais. Ouais, ouais. Au revoir. Salut. Au revoir. J'ai une plus petite tête que toi. Hein. Ouais, j'ai une tête légèrement hypertrophiée. Non. 14% de plus par rapport à ma tête. Ah, tu as mesuré? Une estimation personnelle. Ah, d'accord.